Amen, amen. Et nous allons aller dans le message du matin. Ah, cette parole de Dieu. Amen, amen. Tous ceux qui nous suivent en direct, recevez mes salutations les plus chaleureuses en ce moment précis. Et prenez vos Bibles avec moi dans le livre de Actes, chapitre 1, le verset 8. Actes chapitre 1, le verset 8. Jésus, après sa résurrection d'entre les morts, revient à la rencontre de ses disciples. Et c'est donc après ça qu'il fait cette déclaration. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. À Jérusalem, dans toute la Judée, dans toute la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et dans Marc 16, verset 17 à 19, il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Père, merci d'ouvrir notre intelligence et de permettre à chaque personne qui m'écoute d'avoir accès à la connaissance révélée dans l'Esprit par le Saint-Esprit. Ô Père, que ton nom soit glorifié. Toi qui veilles sur ta parole pour l'exécuter. Qu'aujourd'hui encore, cette parole soit accompagnée de divers signes et miracles. Afin que le nom de notre Seigneur Jésus soit jamais honoré sur la terre. Au nom suprême de Jésus, nous avons prié que l'Assemblée dise Amen trois fois. Donnez-moi trois bons amens, s'il vous plaît. Amen, amen, amen. Tu peux t'asseoir dans sa glorieuse présence. Le titre ou le thème du message ce matin, c'est « Vivre en manifestant la puissance de la résurrection ». Vivre en manifestant la puissance de la résurrection. Vous voyez, nous vivons une génération où le besoin de la puissance est indispensable pour survivre aux assauts répétés et multiples de l'ennemi. Ou même simplement pour vivre selon les desseins arrêtés de Dieu. Vous ne pouvez pas vivre le plan de Dieu pour votre vie sans la manifestation de la puissance de Dieu. Vous en aurez besoin, vous en avez besoin. Le monde est plein de toute espèce de mal, de vice, de méchanceté, de sorcellerie. On a des parents qui livrent leurs enfants en sacrifice pour obtenir un peu plus d'argent ou même une promotion. On a des femmes qui emboutent des hommes pour les avoir pour mari ou vice-versa. Des hommes qui sacrifient les enfants arrêtés dans la rue pour pouvoir gagner une élection. Ou même simplement briller dans un domaine de sport ou même de la société. Les gens aujourd'hui s'engagent davantage dans les divers rituels sataniques et diaboliques pour pouvoir avoir une certaine forme de réussite. Et l'Église se contente de dire, oui, Père, nous prions, préserve le pays, que le mal n'arrive pas. Non, bien aimé, je vais vous dire une chose qui va peut-être choquer certains d'entre vous. Vous ne pouvez pas prier contre les prophéties divines. Jésus a dit lui-même de sa bouche, à la fin des temps, le mal va s'accroître. Il a dit lui-même que, voyez, on aura des bruits de guerre, de tremblements de terre, etc. Ces choses vont arriver comme signes précurseurs de la venue de la fin. Mais, voyez, ce que Dieu nous réserve, nous enfants de Dieu, c'est qu'on soit exemptés, c'est-à-dire protégés de la destruction au moment du malheur. Mais le malheur, il arrivera. Il va arriver.
Vous ne pouvez pas arrêter le terrorisme, arrêter les affaires de Daesh. Ce n'est pas possible. Ce mal va s'accroître. Mais le juste sera préservé. Parce qu'il est écrit, 1000 tomberont à ta gauche, 10 000 à ta droite, mais toi, tu ne seras point atteint. Je déclare sur ta vie que c'est ta portion au nom suprême de Jésus. Donne-moi le meilleur des amens. Et vous voyez, donc si je dois triompher de ce mal, de tout ce qui se passe dans le monde, j'ai besoin de puissance. La puissance est le seul en langage qui est audible par la puissance des ténèbres. Le diable n'écoute que la puissance. Sans puissance, le diable ne t'écoutera pas. Ce ne sont pas les discours. Ce n'est pas l'éloquence. Non. Ce n'est pas les titres. Non. C'est la puissance. On a besoin de puissance. Et le drame, c'est qu'aujourd'hui, l'Église se focalise simplement sur le fait qu'on est bien organisé, on a tel nombre de membres, mais où est la puissance? On a besoin de puissance. Jésus, la parole de Dieu dit, par la bouche de l'apôtre Paul, le royaume des cieux ne consiste pas en parole, mais en puissance. Quelqu'un dit puissance. Dis-le encore, puissance. Puissance. Une troisième fois. Puissance. On a besoin de puissance. C'est très important. Et on n'a pas dit que les pasteurs ont besoin de puissance, mais l'Église a besoin de puissance. Vous voyez, les fidèles se contentent du fait que, bon, mon pasteur a la puissance. Oui, mais ce n'est pas suffisant. Non, c'est l'Église qui a besoin de puissance. À la chambre haute, on n'avait pas 12 personnes, mais on avait 120. 12 étaient ministres. Et on enlève les 12, il reste combien? 106 personnes qui, eux, n'étaient pas ministres, mais qui étaient dans le royaume en tant que fils de Dieu. Mais tous à la chambre haute ont reçu la puissance de Dieu. Pourquoi? Parce que la puissance était indispensable. Vous avez besoin de puissance. On a besoin de puissance dans cette génération. Vous savez, quand je me suis converti, j'ai senti à l'intérieur de moi une poussée de l'esprit. Poussée par l'esprit, conduite par l'esprit, j'ai commencé à évangéliser. J'avais même pas encore 2 mois dans la foi que je prêchais dans les rues. Je parlais de Jésus. J'ai toujours un problème avec les personnes qui disent avoir rencontré Christ, mais ne peuvent pas parler de lui, ne peuvent pas témoigner de Jésus-Christ. J'ai un problème avec ça. Et j'avais 6 mois dans la foi. Je prêchais dans les marchés, etc. Et un jour, donc, mon père est tombé gravement malade. Et on a diagnostiqué qu'il avait un cancer des os. On l'a amené à l'hôpital. De l'hôpital, on l'a ramené à la maison parce que ça faisait beaucoup de dépenses. Et l'hôpital a dit, c'est une perte de temps. L'argent qu'on dépense, dans tous les cas, il finira par mourir. Et donc, on l'a posé dans une chambre qui était juste voisine à là où je dormais. Donc, juste à côté, moins de 2 mètres de distance. Je continuais à l'évangéliser. Et un jour, porté par la compassion d'avoir un père que je voyais mourir, et j'allais tous les jours parler du grand Dieu. J'ai posé le problème à Dieu. Je lui ai demandé, Père, je parle de ta puissance, je parle de ta grandeur. Mais voilà que mon père est en train de mourir. Il est en train de mourir. Et donc je me plaignais devant Dieu. Et j'ai entendu cette voix. Je n'ai jamais oublié ce jour, aux environs de 16 heures. Je rentrais. J'ai entendu cette voix clairement qui m'a dit, ce n'est pas moi qui en veux à la vie de ton père. Donc j'ai déduit que Dieu était en train de me dire que si ce n'est pas lui, c'est le diable. Alors, quand je suis rentré, j'ai cogné à la porte, je suis entré, il était tout couché, tout faible. Je l'ai secoué, j'ai dit, papa, papa, est-ce que tu peux m'entendre? L'odeur de la mort avait envahi la pièce. De son corps sortaient des asticots. C'était juste terrible, pathétique. Ton propre père, face à l'impuissance de la mort. Alors je lui ai demandé, est-ce que tu penses que Jésus peut te guérir? J'avais 6 mois dans la foi. Il a secoué la tête, il a hoché. Donc, vous voyez, juste le mouvement de la tête pour moi était un indicateur que quelque part il avait entendu ce que j'avais dit. Alors j'ai levé mes mains vers le ciel, je m'en souviens encore comme si c'était hier. J'ai dit, Père, toi qui es dans les cieux, je te représente mon Père qui est sur la terre. Pour la première fois, je confrontais mes deux pères. Et j'ai dit, au nom suprême de Jésus, cancer, sors de ce corps. Je commande à la vie de revenir dans ses membres. J'ai refusé la mort de mon père. Dès que j'ai terminé la prière,
Je suis sorti de la chambre et j'ai refermé la porte derrière moi. Le lendemain matin, je suis reparti à l'évangélisation, sans même aller dans la chambre pour voir ce qui s'était passé la nuit. Je suis allé juste évangéliser. Quand je revenais donc le soir, à distance, au loin, j'ai vu une cohorte de personnes, une lieu de personnes qui étaient auprès du portail, il y a beaucoup de personnes. La première pensée, c'est « Oh, mon père a dû mourir la nuit, là, mon père a dû mourir, il est peut-être mort. » Et plus j'avançais, mais il n'y avait pas de pleurs. Je me rendais compte que les gens qui étaient là n'étaient pas en pleurs, mais ils avaient l'air d'être stupéfaits. Donc j'ai commencé à hâter mes pas pour venir voir ce qui se passait. Quand j'ai ouvert le portail, il y avait tellement de personnes que moi-même en entrant dans ma propre maison, j'étais obligé de forcer un tout petit peu. Mais comme on me reconnaissait ou mon fils à la maison, on me faisait le passage. Je regardais mon père debout, au perron de la maison. Debout, quand j'entrais dans la cour. Rajeuni d'au moins 15 ans. Ce spectacle, je vais vous dire sérieusement, ce spectacle, quand je l'ai vu, je me suis dit en moi, Père, partout où tu m'enverras sur la terre, j'irai. Parce que ce que mes yeux ont vu ce jour, c'était pour moi la preuve que je parle d'un Dieu qui est vivant. Mon père était debout. Et j'étais content. Et il a porté lui-même le sac de médicaments qu'il prenait tout le temps. Il l'a posé à côté. Et il racontait aux gens ce qui s'est passé. Voici ce qu'il a dit de sa propre bouche. La nuit, après que tu aies prié pour moi, je suis mort. Je suis allé de l'autre côté. Il y avait deux voies. Il y avait une qui menait au ciel. Il y avait une qui menait en enfer. Et moi, parce que j'étais président d'église dans l'organisation, mon père était très pieux. Il allait à l'église. Mais sauf que la piété ne t'amène pas au ciel. Il n'avait pas accepté Jésus. Et quand je lui parlais de Jésus, il me dit, toi là, vous, tu as rencontré, c'est moi qui t'ai mis au monde. Tu vas me parler de Dieu, Dieu. Je connais Dieu avant toi. Donc, vous voyez, il y avait cette confrontation entre la religion et la vie. Mais, souvent, il faut que certaines personnes soient confrontées à la puissance de Dieu pour pouvoir l'adorer. Il a raconté donc que cette nuit-là, il est mort. Et quand il est parti de l'autre côté, il voulait aller au ciel. On a fermé, il a dit, il y a deux anges qui ont barré la route. On lui a dit, tu vas de l'autre côté. Donc pendant qu'on le saisissait pour l'amener de l'autre côté, et que lui, il était tout triste, il se posait des questions. Mais j'allais à l'église, j'allais ici, mais pourquoi je vais de l'autre côté? Alors Jésus est apparu. Écoutez ce qui va suivre. Quand Jésus est apparu, il a dit, arrêtez, ramenez-le. Son fils le réclame sur la terre. Jésus n'a pas dit, laissez-le, je le réclame. Non, il a dit, son fils le réclame. Donc, comme pour dire, parce que son fils a refusé sa mort, il ne peut pas mourir maintenant. Oh, quelqu'un ne comprend pas de quoi je parle. Si on vient te dire que ton fils est tombé malade et qu'il est mort, ne l'amène pas à la mort. Écoute-moi très bien, ce qui est à toi ne mourra pas de cette manière. Quelqu'un dit, yes! Imaginez donc que ce jour, il m'a manqué de courage. Mon père serait mort plus tôt. Et vous savez, saisi par la sagesse et l'intelligence d'en haut, qu'elle a commencé à parler de ça, je lui ai dit, papa, maintenant, si tu n'acceptes pas Jésus, puisque tu as la preuve que tu t'es pas né de nouveau, pendant que tout le monde était content, il dit, si tu n'acceptes pas Jésus maintenant, tu vas remourir. J'étais toujours très violent spirituellement. J'ai dit, tu vas remourir et tu vas aller cette fois en enfer. Ne te contente pas d'avoir été guéri. Est-ce que ton nom est écrit dans le livre de vie? J'ai vu mon père tomber à genoux et pleurer comme un gamin sur ses péchés. J'ai conduit mon propre père au Seigneur. C'était l'un des plus beaux jours de ma vie. Mon père a confessé le Seigneur. Il a accepté Jésus. Il est devenu un évangéliste puissant et redoutable. Quand un policier devient juste. Il n'y a que Jésus qui peut faire des choses pareilles. Alléluia. Bien que c'est un homme qui n'avait jamais aimé la corruption. Mais quand un policier devient juste, c'est beau. Il y a des choses que l'évangile seul est capable de faire. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Ce que l'évangile est capable de faire. C'était extraordinaire. Vous voyez, ça c'est la puissance de Dieu. Imaginez ce qu'il serait devenu si il n'y avait pas eu l'audace de la prière. Ma propre mère, à distance, pendant que je suis en Sierra Leone et je suis en train de clamer la vie de ma mère devant le trône de Dieu, tombe sous la puissance de Dieu au Cameroun. Regardant la télé, elle s'est convertie. Qu'est-ce que je pouvais faire? Dieu m'a donné mon père au ciel, ma mère au ciel,
qu'est-ce que je pouvais encore faire? Vous savez, le problème c'est quoi? C'est que beaucoup d'entre nous, nous sommes sauvés, mais on ne fait pas utilisation de la puissance que Dieu nous a donnée. Ce que Dieu a déposé en nous, bien-aimés. On a besoin de puissance dans cette génération. Dis, j'ai besoin de puissance. Dis-le encore. Regardez ce que Dieu dit dans Joël 2, versets 28 à 30. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils, quels sont les fils dans la salle? Et vos filles, quels sont les filles? Levez les mains. Prophétiseront. Alléluia. On n'a pas dit que vous deviendrez tous prophètes, mais chacun d'entre vous aura la capacité de prendre la parole, de la citer et elle s'accomplit. Tous ceux qui ont dit amen, ce sera ton partage. On dit vos vieillards auront des songes. Alléluia. Bien aimé, si quelqu'un rêve quand il est vieux, ça veut dire qu'il va vivre longtemps encore. Et vos jeunes gens auront des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, je répandrai de mon esprit. Bien aimé, on n'est pas né de nouveau pour mettre le rouge à lèvres ou pour porter les cheveux de Chine ou de Haine. Non, on est né de nouveau pour dégager la puissance. Serviteurs et servantes. Est-ce que quelqu'un comprend? Souvent les gens sont là, on pense que la puissance de Dieu c'est seulement pour les hommes. On dit serviteurs et servantes. Et une femme qui a le Saint-Esprit, elle a le Saint-Esprit pour prier pour les malades. Les casseroles ne vont pas se convertir. Les poêles ne vont pas au ciel. C'est pour poser les mains sur les enfants et prier pour elles afin qu'elles soient converties. Alléluia. Alléluia. C'est important. Imaginez dans une maison, vous avez une femme qui rinda kabohe le katehe, rakata behe kekekebohoho, sanda kabehe, rokotobo. C'est pas chérie, non, la femme est malade, il faut qu'elle aille à l'hôpital. Quand le mari semble perdre ses repères, tu dis, monsieur, calme-toi, ici Jésus est au contrôle. Cet enfant n'ira pas à l'hôpital, il va se relever. Bébé, lève-toi au nom de Jésus. Quelqu'un dit un bon amen. Quelqu'un dit un bon amen. Je suis en train de parler à quelqu'un, tu n'auras pas besoin de Viagra. Lève-toi. Quelqu'un n'a pas compris de quoi je parle. C'est une parole pour quelqu'un ce matin. Il faut saisir par la foi. Alléluia. Dis amen. Dis encore amen. La Bible dit la foi est la ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de ce qu'on ne voit. Ta vie sera une démonstration permanente de la puissance de Dieu. Donne-moi le meilleur amen. Donne-moi le meilleur amen. Aujourd'hui, vous voyez, on va à l'église, on enseigne les théories. Théorie, théorie. On n'est pas dans les théories, non. Non, ce n'est pas la fac, comme je vous dis toujours. On est devant la puissance de Dieu. C'est pas non, c'est non. Non, on n'est pas dans la pensée positive. On n'est pas là pour bien penser. On est là pour démontrer la bonne pensée. C'est ça le royaume des cieux. Chacun d'entre nous doit être producteur de preuves. Si ta foi n'apporte pas l'évidence, les choses pour lesquelles tu crois, alors tu passes ton temps justement à discourir. Il faut des preuves. Dis à ton voisin, il nous faut des preuves. Dis encore, il me faut des preuves. Écoute-moi très bien, les gens verront les preuves au travers de ta vie. Dieu apportera les preuves au travers de ta vie. Donne-moi le meilleur des amens. Dans sans la démonstration, la foi est une vile espérance. Une vile espérance. Sans justement la démonstration. Il faut des preuves. Et le ciel t'apportera les preuves. Dans tous les domaines. Nous vivons ces jours-là qui ont été annoncés par Dieu. À la fin des temps, je déversais mon esprit sur toute chair. Nous sommes à la fin des temps. Vous ne pouvez pas imaginer le privilège que nous avons de vivre cette saison. C'est incroyable. C'est fantastique. Et vous voyez, la manifestation de la puissance suprême de Dieu sur terre est appelée la puissance de la résurrection. C'est ça la puissance. La puissance de la résurrection. Et c'est pour ça que Jésus demandait à ses disciples,
de ne pas quitter Jérusalem. Luc 24, verset 49. Et il dit, voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père avait promis. Qu'est-ce qu'il avait promis? Qu'est-ce qu'il avait promis? Le Saint-Esprit. Restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus. Quelqu'un dise revêtement. Quelqu'un dise revêtement. Tu vas porter ton costume et tu auras l'impression qu'il y a un autre costume sur ton costume. Amen. Parce que le revêtement de cette puissance descend sur toi maintenant. Au nom suprême de Jésus. Revêtu de la puissance, Tao. Acte 1, verset 8. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit. Laissez-moi m'arrêter là un moment. Quels sont ceux qui ont reçu le Saint-Esprit? Levez bien la main. Baissez la main. Est-ce que vous savez que l'intention première du Saint-Esprit, quand il a été envoyé à la Pentecôte, était d'abord la puissance? C'est l'intention première, la puissance. Vous recevez une puissance, le Saint-Esprit. Donc quand le Saint-Esprit arrive, c'est la puissance de Dieu qui est présente. Personne ne peut avoir le Saint-Esprit et dire, je n'ai pas la puissance. Tu l'as, elle est là. Vous recevez une puissance. Mais je peux avoir une puissance et ne pas l'utiliser. Oui. Il y a des gens qui ont la puissance et ne l'utilisent pas. Je peux avoir l'argent et ne pas l'utiliser. Il y a un homme qui était gravement malade. On a cherché l'argent pour l'amener à l'hôpital. Et puis après, finalement, on n'a pas trouvé, il est mort. Quand on a pris du lit et qu'on a soulevé le matelas, il y avait de l'argent plein en bas. Il est mort avec l'argent parce qu'il pensait toujours que c'est le même petit par lui qui va partir. Il ne voulait pas dépenser. Il est mort. Est-ce qu'il était pauvre? Est-ce que la maladie l'a tué? Oui. Alors qu'il y avait l'argent, ne sois pas comme ça. Il y a assez de puissance que Dieu t'a donnée. Utilise cette puissance. Viens avec elle. Viens avec elle. D'accord, le Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit dans ta vie est la preuve que réside en toi la puissance de Dieu. La puissance de la résurrection. Et après sa résurrection, regardez ce que Jésus a dit. Matthieu 28, 18 à 19. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Quelqu'un dit tout pouvoir. Quelqu'un dit encore tout pouvoir. Bien-aimé, que quelqu'un soit au 27e degré, 50e degré, 102e degré, dans la sorcellerie noire, rouge, magie bleue, ciel, etc. Est-ce que vous comprenez? Ce que nous avons est le pouvoir suprême. Est-ce que quelqu'un vous comprenez? Non, ne soyez pas intimidés, non. Je suis à tel degré. Nous, on a dépassé les degrés. On est dans la puissance qu'on ne peut plus mesurer. Suprême puissance. Élevée au-dessus de tout. Alléluia. Quand le sorcier te regarde, il t'envie. Parce que tu opères à un autre niveau. Oh. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Oh non. Hey, il y a des sorciers à l'église. Il faut qu'on fasse attention. Laissez-les. Laissez-les. Laissez-les venir. Vous étiez là souvent ici quand j'ai lancé l'appel au juge. J'ai dit, s'il y a un sorcier qui se lève, ils sont levés, non? Ils ne sont pas venus. Est-ce que vous avez peur de quoi? Oh, ma tante, hey, si je prie, le diable va entendre ma prière. Laissez-le entendre. Laissez-le entendre. Dites à Satan ce que vous voulez faire. C'est-à-dire, changez de formule de prière. Vous dites, Satan, j'ai entendu dire que tu te poses à l'église. Maintenant, je veux t'avertir. Je vais bâtir ça. Je veux faire ça. Je t'informe. Est-ce que quelqu'un... Je t'informe. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Je t'informe. On dit non, il y a des gens dans ta famille qui bloquent les projets. Prends le téléphone et puis appelle. Tu dis, tante Elisabeth, tante Marguerite, j'ai entendu dire que tes gens et toi, vous bloquez les projets. Maintenant, je veux faire ça. J'arrive au village. On dit que vous faites des accidents sur la route, j'arrive. Est-ce que quelqu'un comprend? J'arrive. N'ayez pas peur. Dis, je n'ai pas peur. Car celui qui est à moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Dis-le encore tes propres mots. Alléluia. Amen. La puissance de Dieu est incroyable, bien-aimés. Le problème, c'est que beaucoup d'entre nous n'en avons pas la révélation. Elle est terrible, la puissance de Dieu. Engagez toujours la puissance de Dieu quand vous faites n'importe quoi. Engagez cette puissance. Mettez-la sur le contrôle de votre destinée. Appelez-la avec vous. Vous n'allez jamais trembler devant quoi que ce soit. Dieu, oh mon Dieu,
Que Dieu t'accorde la révélation. Amen. Dieu crée l'homme. Il prend la boue. Il forme. Suivez-moi bien. Vous croyez que Dieu a pris la boue? Et qu'il a formé? Et il a soufflé? Maintenant, je vais vous montrer ce que vous n'avez pas souvent vu avant. Dans la boue, la puissance descend. Ça entre dans la boue. Ça commence à tailler la boue. Ça met les oreilles. Ça pèse les trous. Ça met les yeux. Ça met la boue. Ça crée le système oreille. Rap. Ça fait sortir les cheveux. Ça fait à l'intérieur l'estomac. Le gros intestin. Ça fait sortir la foie, la bile. Ça descend. Ça fend. À droite, ça donne en tout devant. Ça pousse. Oh non, non. Là, ça commence la puissance à l'intérieur. Est-ce que quelqu'un comprend? Et cette force te donne maintenant de te réveiller et de parler, de penser, d'agir. Juste ton souffle. Juste ton souffle. Il n'a pas soufflé deux fois, mais une fois. Et le souffle va déposer en l'intérieur de cette personne la capacité de repousser de ses manches et de rien engendrer le même cycle de façon générationnelle. Un souffle. Dieu a soufflé une fois. Une seule fois. Imagine ce souffle une deuxième fois. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Oh, reçois la grâce de Dieu sur ta vie. Que le souffle de Dieu touche ta vie. Que le souffle de Dieu touche tes affaires. Que le souffle de Dieu touche tes entreprises. Que le souffle de Dieu visite ce qui est à toi. Au nom suprême de Jésus. Vous imaginez la grandeur de Dieu? Et puis on est là. On se comporte comme si on était des enfants de souris. Non! Est-ce que vous me comprenez? Le souffle de Dieu. Nous vivons une saison extraordinaire. Extraordinaire. Un jour, j'étais en train d'enseigner ainsi à Sierra Leone, à Freetown, et j'enseignais. Et à la fin de l'enseignement, parce que je parlais de la puissance de la foi, comment est-ce que quand on a la foi n'échoue jamais. Vous ne pouvez pas prétendre avoir la foi et échouer. Non, la foi, c'est l'antidote contre l'échec. Un enfant de Dieu qui échoue n'est pas un enfant de Dieu. Il a dysfonctionné. C'est une anomalie. L'échec est un indicateur qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair. Donc je ne fais pas le succès parce que ça fait partie des choses quotidiennes. Je ne célèbre pas le succès. Quand je donne témoignage, je rends grâce à Dieu de ce qu'il fait. Ce n'est pas que je suis impressionné. Je veux juste rendre grâce à Dieu. C'est une adoration, c'est tout. Mais sinon, ça fait partie de mon lot quotidien. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront. On appelle les miracles. Ça veut dire que Dieu attend que les choses qui t'arrivent soient inexplicables. Qu'à partir d'aujourd'hui, chaque jour de ta vie, les miracles t'accompagnent. Qui t'a... Hey! Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Il t'accompagne au marché? Il t'accompagne à l'école? Il t'accompagne dans les affaires? Il t'accompagne au voyage? Que les miracles t'accompagnent! Dans le mariage, il t'accompagne. Dans tout ce que tu fais, que les miracles t'accompagnent. Quelqu'un dit, je reçois. Quelqu'un dit, je reçois. Écoutez-moi bien, j'entends le Seigneur me dire de te dire de ne plus accepter de marcher seul. Certains d'entre vous attendez que les miracles vous accompagnent. On n'a pas dit d'aller seul. Ils t'accompagneront. Donc ne soyez pas là à faire des choses sans signe. Demandez que vous soyez escorté par les miracles. Ton amen m'embête. Alléluia. Et donc quand j'ai terminé l'enseignement, il y a une dame qui était là, qui ne croyait pas. Vous savez, il y a des gens qui vont à l'église mais qui ne croient pas à la puissance de Dieu. Comme par la puissance, ils sont là. Oui, est-ce que les miracles sont encore valables de nos jours? Non. Moi, je parle plutôt, est-ce que les gens qui pensent comme ça sont encore valables de nos jours? C'est ça le problème. Comment est-ce que quelqu'un comme ça peut être à l'église et il pense que le miracle n'existe pas? Et il y avait un fou qui est entré dans la salle. Le hasard n'existe pas. Quand le fou est entré dans la salle, la dame a dit, ouh, voilà, maintenant c'est très bien fait pour toi, pasteur. Et donc elle a dit, ok, puisque le pasteur a enseigné en disant que tout est possible par la foi, amenez le fou, qu'il prie pour lui et puis on va voir. Non? Ça a été pour moi l'une des confrontations les plus difficiles. Donc au moment, c'est-à-dire quand elle a amené, vous savez, je suis resté comme ça, je me dis, waouh. Et donc soudainement, vous savez, l'intelligence d'en haut,
j'ai fait cette prière, j'ai dit, Dieu, ce matin, j'ai demandé sur quoi enseigner. Et tu m'as dit, sur la foi. Maintenant, on remet en cause ce que j'ai enseigné. Si donc rien ne se passe après la prière, moi je n'ai aucun problème parce que ce n'est pas ma parole, c'est la tienne. Vous comprenez? Donc, et puis on a fait venir le fou. Et là je demande à Dieu, maintenant qu'est-ce que je fais? Dieu dit, tu ne pries pas pour le fou. D'accord? Mais tu prends autorité contre l'esprit de folie. Donc, un jeune prédicateur, vous savez, on a un jeune pasteur, oh Dieu avec moi, oh ça guérit. Non, Dieu dit non, attention, ne fais pas ça. Si tu fais ça, ça ne marche pas. Tu regardes et tu prends autorité contre l'esprit de folie. Tout ce que tu vas faire, c'est l'esprit de folie et là, ça ne marche pas. Donc, il est arrivé. Donc, comme j'ai entendu la voix, j'étais tranquille. Elle dit, esprit de folie, sors de ce corps. Au nom suprême de Jésus. Et puis, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que je fais maintenant? Parce qu'il m'avait l'air toujours fou. Le Seigneur me dit, ok, maintenant, demande-lui d'accepter Jésus dans sa vie comme étant son Seigneur, son sauveur personnel. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Je commence à faire la prière du pécheur. Et il répète, prière du pécheur, et il répète, prière du pécheur, et il répète. Et il y avait des Américains qui étaient là, des missionnaires. Ils sont venus avec l'appareil photo, parce que eux, les Américains, ils fument tout. Donc, dès qu'ils ont mis l'appareil photo et qu'ils ont fait le premier flash, le monsieur a mis la main comme ça, il a bloqué. Et tout de suite, il est venu au micro, et il dit, s'il vous plaît, ne me filmez pas dans cet état. Eh bien, mesdames et messieurs, j'avais 26 ans à cette époque. 26 ans d'âge. Ne me filme pas dans cet état. Laissez-moi aller me laver. Laissez-moi aller me raser. Et on ne l'a pas laissé partir. On l'a lavé, on l'a rasé, on l'a rhabillé et on l'a filmé. Il était devenu normal, normal et normal. Je déclare que quel que soit ce qui a eu la folie de t'attaquer, je commande à cette folie de s'en aller au nom suprême de Jésus. Et que la gloire de Dieu t'accompagne sur le chemin de ta destinée. Que tous tes combats soient remportés. Que tous tes défis soient relevés. Que la gloire de Dieu soit manifeste au travers de ta vie. Au nom suprême de Jésus. Certains d'entre vous, à partir de ce matin, le ciel soutiendra toutes les paroles qui sortiront de vous. Vous verrez des choses que vous n'avez pas imaginé voir. Car Dieu fait de vous des producteurs de preuves, des tueurs des géants, des hommes et des femmes d'espoir. Va et manifeste cette puissance au nom suprême de Jésus. Donne-moi le meilleur amen. Qui ne mourra pas avant ton heure? La terreur de l'enfer ne te détruira pas, car l'Éternel est avec toi. Donne-moi le meilleur amen. Je ne suis pas simplement en train d'enseigner, je suis en train de communiquer la grâce. Je suis en train de transférer la grâce. Je suis en train de communiquer la puissance. Afin que ta vie soit un témoignage de la grâce de Dieu. Au nom suprême de Jésus. Donne-moi le meilleur amen. Donne-moi le meilleur amen. Reçois cette puissance jusque dans tes os. Reçois. Alléluia. Dans tes affaires. En politique. Au football, en économie, partout, dans ton ministère. Dégage cette puissance. Dégage cette puissance. Dégage cette puissance. Dégage cette puissance. Et que le monde sache que Dieu est avec toi. Donne-moi les meilleurs amen. Alléluia. Hey! Amen. Alléluia. Lève ta main vers le ciel, dis, j'ai reçu la puissance. Dis-le encore, j'ai reçu la puissance. Alléluia. Amen. Amen. La puissance que tu as reçue, c'est toi, est la puissance la plus élevée. La plus élevée, elle est en toi. Un jour, on m'a dit, non, les gens qui habitent à côté de toi, il y a des francs-maçons, tout ça, il y a des sorciers. J'ai dit, écoutez, très bien, si, je ne sais pas ce qu'ils font ces gens. Parce que je ne suis pas allé voir ce qu'ils font. Mais si un sorcier qui habite à côté de moi, c'est lui qui va déménager. Ce n'est pas un problème. Il va déménager. Vous ne pouvez pas pratiquer la sorcellerie dans mon périmètre. Ça ne marche plus. Vous jetez les coris, ils sont obscurs, ils ne donnent plus de nouvelles. Parce que le périmètre a été irradié par la puissance. Est-ce que vous comprenez? Vous devez savoir ce que vous avez en vous. Est-ce que vous comprenez? Vous avez une puissance. Il faut en être conscient.
et manifester cette puissance. C'est la puissance la plus élevée dans le royaume des cieux. C'est la puissance de la résurrection, la plus élevée. Il n'y a pas une autre puissance qui est comme la puissance de la résurrection. C'est elle que Jésus a reçue à la montagne de la transfiguration. Le jour où il a eu Élie et Moïse en face. Et il y avait aussi à côté de lui ses disciples Jean et Pierre. Ce jour, Pierre a dit, bâtissons ici trois tentes et puis restons. Pourquoi? C'était un niveau élevé. Ce jour-là, il a été connecté à la puissance de la résurrection. Vous ne pouvez pas terroriser l'enfer sans cette puissance. Impossible. Et vous allez vous rendre compte que c'est après cette rencontre-là qu'il dit, j'ai le pouvoir de donner ma vie et la reprendre. Pourquoi il dit qu'il a le pouvoir de donner? Parce que la puissance de la résurrection était en lui. Donc si je donne ma vie, même si je dors, la puissance de la résurrection me ramène à la vie. Parce que si dans ton sommeil, tu peux continuer d'agir, c'est que la puissance de la résurrection prend le secours. Vous savez, la puissance de la résurrection agit dans les territoires où ta non-compétence a été constatée, où ton sommeil a été vu, où ta faiblesse a été révélée. Elle vient au secours pour dire, on est là, on ne te laisse pas seul. C'est cette puissance qui habite dans chaque croyant. Et c'est pourquoi la plus grande insulte au ciel, c'est de croire que Dieu te protège parce que tu pries. C'est terrible. Oh, si tu n'as pas prié la nuit, les sorciers vont entrer chez toi. Jamais. Laissez les portes ouvertes. Je peux avoir à redouter comme bandit, entre, pas un sorcier. Si c'est que les sorciers, je vais laisser toutes les portes ouvertes. Je m'en vais même en voyage. Je laisse les portes de la maison ouvertes. Les sorciers n'entreront pas. Peut-être le bandit, mais pas le sorcier. Attends, vous vous amusez? La maison? Ta maison? Non. Ce n'est pas de ta maison qu'il s'agit. Et même si l'âme y ressortira en fuyant, la terreur de Dieu s'abattra sur lui. Je déclare sur ta vie que dans ta famille, ceux qui opèrent avec les puissances occultes sont réduits au silence. À cause de la grandeur de Dieu manifeste au travers de la puissance que le ciel t'a donnée. Donne-moi le meilleur des amens. Donne-moi le meilleur des amens. Alléluia. C'est elle que Jésus, qui allait chercher Jésus dans la tombe. C'est cette puissance. Imaginez. Voyez, c'est incroyable. Jésus est dans la tombe. Il est couché. Le premier jour, l'enfer se réjouit. Le deuxième jour, l'enfer se réjouit. Le troisième jour, cette puissance descend. Elle va dans la tombe. La première chose qu'elle fait, elle ramène la vie dans le corps mortel. Le corps était mort, la vie entre. Deuxième chose, elle ordonne au corps de se lever. Maintenant, investi de ce pouvoir d'en haut, Jésus s'en va maintenant voir Satan. Il dit, donne-moi les clés. Satan est impuissant. Il prend les clés. Il dit, ok. Satan tremblant, pensant que Jésus va faire... Il dit, non, je ne peux pas. Ce n'est pas à moi de régler ton problème. Non, je ne peux pas le faire. En fait, je suis venu ici au nom de ceux qui croiront en moi. Ce n'est pas à moi de le faire. Car l'homme que tu as défié au départ, Adam, que tu as destitué, c'est pour lui que je viens. Afin qu'il revienne prendre le contrôle et qu'il continue de régner sur toi comme c'était au départ. Quand il sort, il dit à Jésus, attachez-vous entre vous. Vous voyez, il s'attache, il tient la laisse. Ouais. Il tient comme un chien. Et puis, il monte. Quand Marie le voit, quand il se présente, Marie voit Jésus. Mais derrière, il y a toute une cohorte qui l'a enchaînée. C'est pour ça que quand Marie veut le toucher, il dit, ne me touche pas. Je ne suis pas encore monté au ciel. Ne dis pas, il ne faut pas qu'on accuse de m'avoir aidé. Ne me touche pas. Là, on traite avec des choses invisibles. Il monte au ciel avec son corps. Il prend tous les démons, il monte. Quand il arrive au ciel, il y a un chant qui éclate. Les cieux proclament la gloire du Seigneur. Pourquoi est-ce que les cieux proclament? Parce que là, les cieux sont dans l'admiration. Pour la première fois, on voit une œuvre terrible se produire. Le diable est ramené devant le conseil de Dieu, ramené à la barre. Et on constate ce jour que Jésus n'avait pas commis de péché et que maintenant, à cause des péchés de l'humanité qu'il a portés, la justice de Dieu est donc imputable aux hommes s'ils croient en Jésus. Et c'est ainsi que cette puissance qui est allée chercher l'injuste dans la tombe a été promise à ceux qui croient en Jésus. Afin qu'elle soit transférée aux croyants qui attendaient la chambre haute. Dès que le verdict de la cour est rendu, le Saint-Esprit dit, maintenant Jésus, je te laisse et laisse-moi descendre, commencer les choses sur la terre.
ainsi qu'il descend à la chambre haute. Et on entend rakata kata kata brokoto toto kata 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 borobo toto veya kada baba 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 baba. Le moteur a démarré. Alléluia. La race royale est en train de prendre son envol. Rikata kata rokoto koto koto bo baba tikata kata kata kata. Alléluia. Écoutez-moi très bien. Le rindoko sete que vous avez n'est pas seulement pour rindoko se. C'est un indicateur clair que vous êtes connecté au surnaturel. Que quelqu'un rondosso, que ceux qui rongosso commencent à riqueter. Oh, faites le mieux dans la salle. Riquete babou. Chalabé de kereya. Rabobo se teria heya. Robobo se kete baba. Rande keboro. Alléluia. Eh bien, écoutez-moi bien. Est-ce que la Bible n'a pas dit qu'ils parleront de nouvelles langues? C'est pas écrit? Est-ce qu'il n'a pas dit qu'ils parleront de nouvelles langues? Est-ce que cette langue-là, tu l'as apprise à l'école? Rarabo, sarababo, brebaba. Maintenant, tu parles ces langues. Mais pourquoi tu as peur de saisir le serpent? C'est le même verset. Il imposera le mort malade et les malades seront guéris. Cette langue est un indicateur que la promesse est accomplie. Donc, si tu parles en langue, qu'est-ce qui t'empêche de poser les mots malades? N'est-ce pas le même Dieu? Est-ce qu'il n'est pas capable de faire ce qu'il a dit? Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Tu n'as pas besoin d'être pasteur pour le faire. Tu as besoin d'être croyant. Est-ce que je peux voir la main de ceux qui croient? Oh, relâche la puissance de Dieu. Manifeste dans ta génération. Donne-moi le meilleur amen. Donne-moi le meilleur amen. Qu'il en soit ainsi à partir d'aujourd'hui. Et que la manifestation de cette puissance soit visible par ta vie au nom suprême de Jésus. Dis encore amen. Amen. Dis encore amen. Amen. Vous savez, quand cette puissance arrive, tu changes d'emplacement spirituel. Tu changes de position. Quand Marie est arrivée à la tombe, on dit, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Le déménagement spirituel commence quand on reçoit la puissance de la résurrection. Pourquoi cherchez-vous parmi les pauvres celui qui a été rendu riche? Pourquoi cherchez-vous un homme en santé parmi les malades? Tu es connu comme étant le cancer ou le VIH, mais à cause de cette puissance, ton nom est effacé de la liste. Pourquoi cherchez-vous? Pourquoi cherchez-vous? Les gens te chercheront là où tu étais avant, mais ils te retrouveront ailleurs. À cause de cette puissance, quelqu'un me donne le meilleur des amens. Alléluia. Alléluia. Amen. Et vous savez, c'est ceux qui te cherchaient qui ont raconté aux gens ce qui t'est arrivé. Quand les sorciers deviennent des premiers agents publicitaires, quand ceux qui se persécutent commencent à raconter aux gens qu'il y a quelque chose de spécial à ton sujet. Les gens qui vous accusent de sorcellerie sont souvent ceux qui sont sorciers. Notez-le. N'oubliez jamais. Parce qu'ils ne connaissent pas une autre puissance. Ils ne croient qu'en leur puissance. Et ils se disent que tu es entré quelque part de plus dangereux qu'eux. C'est pas faux. C'est pas faux. C'est vrai. Là où tu as mis ta main, n'importe qui n'y arrive pas. Là où tes pieds sont placés, la gloire de Dieu se trouve. N'aie donc aucune crainte. Dis, je n'ai pas peur. Dis encore, je n'ai pas peur. Amen. Vous voyez des gens qui sont là et puis ils se comportent n'importe comment. Est-ce que vous savez que la Bible dit que Jésus est le lion de la tribu de Juda? Apocalypse 5, verset 5. L'un des vieillards me dit, ne pleure point, voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et les sept sceaux. Comment est-ce qu'on l'appelle? Comment est-ce qu'on l'appelle? Et qu'est-ce que la Bible dit de nous? Nous sommes ses frères. Il est le premier-né d'entre eux, plusieurs frères. Donc si notre frère est un lion, on est quoi? On est quoi? On est quelqu'un dit, je suis un lion. Quelqu'un dit encore, je suis un lion. Proverbe 28, verset 1, le méchant prend la fuite quand on le poursuit. Le juste a l'assurance comme un jeune lion. Lève ta main vers le ciel. Dis, j'ai l'assurance d'un jeune lion. Alléluia. Moi, j'aime regarder les documentaires. Le lion, vous n'allez jamais le voir paniquer.
Il est là, il est calme. Il est là, il regarde. Souvent, il voit les biches passer. Quand il laisse passer, c'est qu'il est rassasié. Quand il entend un bruit, il tourne la tête comme ça, calmement. Même la girafe, au détail, il ne panique pas. Le buffle, il abat. L'éléphant panique parce que c'est le lion. Donc, si je suis un lion, il n'y a rien sur la terre qui me fait peur. Pourquoi? Parce que je suis un lion. Nous sommes de la tribu de Judas. Des gens qui ne paniquent pas. Et nous devons livrer le combat de la foi. Le lion n'a pas peur. Et le lion est stratège. Souvent, il travaille en stratège. On laisse partir d'abord les femmes, les lionnes. Elles attaquent. Vous savez, soit les lionnes, c'est l'église. Elles poursuivent. Et puis le lion est derrière, calmement. Il regarde. Il regarde. C'est pour ça que Jésus dit qu'il est l'avocat d'entre plusieurs frères. Donc quand les lionnes s'en vont, elles sont très redoutables à la chasse. Quand ça devient compliqué, le lion lui met... L'ennemi même peut mourir de crise cardiaque. Il secoue sa crinière. À partir de ce moment, on se rend compte qu'il y a un chef dans l'endroit. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Ça ne peut pas te dépasser. Si ça te dépasse, Jésus viendra à ton secours. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Dis, je suis plus que vainqueur. Alléluia. Amen. Quelqu'un dit puissance. Quelqu'un dit puissance. Quelqu'un dit puissance. Il est temps de la manifester. N'ayez pas peur. Alors je vous demande, pourquoi donc, si nous avons reçu cette puissance, pourquoi nous n'arrivons pas à la manifester? Regardez Jean 1, verset 12. À ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru, Dieu leur a donné le pouvoir. Dieu leur a donné quoi? Le pouvoir. Dieu leur a donné le pouvoir. Quels sont ceux qui l'ont reçu? Le pouvoir est en toi. Il peut arriver qu'une batterie soit déchargée. On n'est pas obligé de l'amener au garage. On peut prendre une batterie qui est en marche et la connecter. Ce matin, la grâce qui est sur ma vie connecte ton esprit. C'est ce qu'on appelle le empowerment. Tu reçois une puissance. Que tu sois connecté ce matin. Et que ta batterie redémarre. Elle n'est pas en panne, mais elle n'a pas travaillé longtemps. Sois connecté au feu de Dieu. Et que maintenant tu puisses produire des preuves radicales de la puissance de Dieu dans ta génération. Dis, je manifesterai cette puissance. Je prierai pour les malades. Ils seront guéris. Je chasserai les démons. Je serai producteur de preuves. Je vais tuer les géants. Car l'Éternel est avec moi. Au nom de Jésus. Amen. 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 Écoute-moi bien. Tu arriveras chez toi, dans ton village. Même les sorciers du village viendront te saluer. En se baissant. Moi, je rencontre les sorciers. Et je sais quand je les rencontre. Ils n'affrontent pas mon regard. Je regarde les sorciers en face. Je sais qu'ils sont sorciers. J'ai l'esprit de dire, non. Je tends la main comme ça. C'est les éclairs qui sortent. Le feu de mes regards. Ils savent. Est-ce que vous comprenez? N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Que personne n'est intimide. Celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Décide-toi de manifester la puissance. Vous savez ce qui nous manque? Ce qui manque à certains d'entre vous, c'est la révélation. Quelqu'un dit révélation. Quelqu'un dit révélation. Écoutez, vous n'avez pas besoin de prier pour avoir la puissance de la résurrection. Ni de jeûner. Vous avez besoin de révélation. Éphésiens 1, verset 17. Regardez bien, 16 d'abord. On va clore avec ça. Regardez. Verset 16. Je ne cesserai de rendre grâce à Dieu pour vous, faisant mention de vous dans mes prières. Pourquoi? Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Ça veut dire quoi? Je dois connaître Dieu avec mon esprit et non avec ma tête. On a beaucoup de croyants qui connaissent Dieu avec la tête et non avec l'esprit. Face au problème, c'est le dépôt de la parole dans l'esprit qui réagit et non la tête. Donc, connaître les versets bibliques, ce n'est pas suffisant. La révélation que je vous donne sur la résurrection, je ne l'ai pas eue à l'école. Je ne l'ai pas eue à l'école biblique. Je l'ai eue en prière. Un jour, j'entrais dans une église quand Dieu m'a ouvert l'esprit et j'ai eu cette vision. Quand j'enseigne dessus, beaucoup de personnes ont pris ça comme une révélation personnelle, mais c'est parti d'une vision.
que j'ai vues de mes propres yeux. Demandez à Dieu la révélation. Vous devez connaître Dieu avec la révélation. Le jour où j'ai rencontré Satan, pour la première fois dans ma chambre, je n'ai pas paniqué parce qu'à l'intérieur de moi, je sais que je suis vainqueur. Ce n'est pas une affaire de mental, c'est une affaire de vérité enracinée dans ton esprit. La raison pour laquelle je ne serai jamais pauvre, c'est que je ne suis pas pauvre. Quelqu'un n'a pas compris de quoi je parle. Pourquoi? Parce que dans mon esprit, la pauvreté est éradiquée. Il n'y a pas une seule sémence de la pauvreté en moi. C'est ça le problème. C'est la peur dans l'esprit. Ce n'est pas dans la tête. Votre manière de marcher même, c'est pas, souvent c'est un indicateur si la pauvreté est là ou pas. Vous savez, il y a des manières d'être, même ta manière de marcher, ta manière de regarder, ta manière d'être avec les gens, ta manière de te tenir. Ce n'est pas des indicateurs de ce que tu as à l'intérieur, c'est dedans. Toi, tu arrives, même ta manière, tu regardes même, ta manière d'être, même, de lever les, on sait à l'intérieur. C'est la révélation. Ce qui te fait, c'est ce que tu es dedans. À l'intérieur, pas révélation. Il y a des gens qui ont l'argent, ils tremblent. Quand David est arrivé devant Goliath, David n'a même pas encore combattu. David arrive. Saül se tourne et dit, hé, c'est qui ce gars et le fils? C'était quoi? La démarche. C'est qu'il dégage. Il y a des gens qui ont l'aura. Ils se déplacent, tu sens la gloire. Tu sens qu'ils croient en quelque chose, le regain, personne. Ce n'est pas les gens qui sont là. C'est comme si tu vois la jaunisse dans les yeux. Non. Regarde comme ça, tu vois la gloire. Tu sais qu'il sait où il va. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Que Dieu te donne le regard de l'aigle. Donne-moi le meilleur amen. Le regard du lion. C'est de ça qu'il s'agit. La révélation. Vous avez besoin de révélation. Savoir qui vous êtes. Qu'est-ce qui vous habite? Un esprit de sagesse et de révélation dans ta connaissance. Qu'il illumine les yeux de ton cœur afin que tu saches. Quel est l'intérêt qui s'attache à toi? À ton appel. Et quelle est la richesse de la gloire de ton héritage qui réserve au sein? Regardez le verset qui suit. Quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de ça? Alors vous savez, l'infinie grandeur. On n'a pas parlé de infinie grandeur. Se manifestant avec efficacité. C'est-à-dire cette force ne rate pas. Elle est efficace. Par la vertu de sa force. Continuons, verset 21. 20, il a déployé en Christ. Il a déployé en Christ. En le ressuscitant entre les morts. Dans première chose, elle est descendue en enfer. Elle a ressuscité des morts. Deuxième, elle l'a fait monter, elle l'a fait asseoir à la droite de Dieu. Donc il n'y a pas que la résurrection, mais il y a l'ascension. Vous voyez, vous prenez un corps. Vous connaissez la loi de la pesanteur? Tout objet qui est relâché dans les airs attiré. On n'avait pas encore découvert la loi de l'aérodynamique, mais le corps de Jésus, porté par la puissance de la résurrection, a battu toutes les lois. Elle est montée, le corps est monté dans les airs. Et aller s'asseoir à la droite de Dieu. Sans jet privé, sans hélico, sans ascenseur, sans escalier. Quand la puissance de la résurrection est avec toi, tu brises les normes du naturel. Quelqu'un n'a pas compris de quoi je parle. On n'explique pas ce qui t'arrive parce que tu détruis les normes naturelles. Je perds avec une ascension surnaturelle. Que cela soit ta portion, que cela soit ton partage. Au nom suprême de Jésus. On va se demander, mais comment est-ce qu'il a fait cette dame? Comment est-ce qu'il a fait cette dame? Comment ce monsieur a fait pour y arriver? Mais on disait qu'il était en faillite. La banque n'a pas voulu donner de l'argent. Mais comment est-ce que c'est arrivé? Bien aimé, la puissance de la résurrection est capable de te connecter aux ressources les plus incroyables. Reçois cela au nom suprême de Jésus. Dis, c'est ma portion. Dis, c'est ma portion. Vous voyez, donc tu as besoin de révélation. La révélation, c'est important. La deuxième chose, il faut être courageux. Le vrai problème, c'est que beaucoup d'entre nous, nous muselons cette puissance avec la peur. Dis, Dieu ne m'a pas donné un esprit de peur. Oh, dis-le comme si tu le penses. Dis-le à haute voix. Alléluia. De Timothée 1, verset 7. Je n'ai pas un esprit de timidité. Je ne suis pas timide. Si Dieu te dit, parle de l'évangile à quelqu'un, parle. Quel genre de timide? Même en public, entre frères, il se cache. Non, je ne peux pas témoigner. Je ne peux pas parler. C'est un mauvais esprit. Faut être courageux. Est-ce que vous me comprenez? Faut être courageux. Même quand il y a la foule, Dieu a fait de façon qu'un croyant n'est jamais caché.
Il est toujours exposé. Même dans la foule, quand on te voit, on sait que tu es spécial. Tu n'es pas allé peindre les cheveux en jaune ou en noir, mais on te voit, on sent qu'il y a quelque chose. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas les chaînes portées jusqu'ici. Non, tu es simple. Je suis normal. Ce n'est pas les griffes pour faire peur aux gens. Normal, taillé normalement. Mais on te voit, on sait que tu es... Est-ce que vous comprenez de quoi je... On sait qu'il y a quelque chose. Les gens te regardent. Dis-moi, tu mets quelle huile? Alors qu'elle est plus claire que toi, mais ton huile, c'est quoi? Ce n'est pas une question d'huile. Ce n'est pas une question de produit. C'est une question de gloire. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Reçois cette gloire sur ta vie. Au nom suprême de Jésus. Dis un bon amen. Amen. Dis, je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur. Dis-le encore. Je n'ai pas peur. Dis-le encore. Dieu t'amènera au-delà de là où tu es actuellement. Il t'exposera à des cimes les plus élevées. Ce n'est que le début. Job 3, 25. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Mais toi, tu n'as peur de rien. Parce que Dieu est avec toi. Personne ne peut rien contre toi. N'aie aucune crainte. Dieu a commencé cette œuvre dans ta vie. Il va la parfaire. N'aie aucune crainte. Si ça te dépasse un jour, dis papa, j'invoque le Dieu de mon père. Dis-le carrément. Je me tiens sur la foi de mon père. Je me mets à l'abri de mon père. Je me tiens au nom de Jésus dans la présence de Dieu. Si tu déclares la parole, n'aie aucune crainte. Dieu veillera sur cette parole pour l'exécuter. Jésus n'est pas mort en vain pour toi. Il faut manifester cette puissance de la résurrection. Vie et manifeste-la. Et ta vie sera un délice perpétuel. Un témoignage éloquent. Une preuve tangible. Une flairaison permanente de la bonté de Dieu. Afin que quand on te regarde, tu aies ton éclat joyeux d'un parfum de gloire qui se déverse. Une source intarissable d'une bonté incommensurable. Tu ne diras plus simplement l'Éternel est bon comme si c'était un rituel. Mais tu le diras avec passion. Quand on te dira, viens à l'église, tu chanteras en venant. Alléluia. Je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Oui, je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. J'avais entendu parler de Dieu, mais aujourd'hui je vois ce qu'il a fait. J'avais entendu parler de Dieu, mais aujourd'hui je vois ce qu'il a. Oh non, je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Oh non, 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 je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Mon programme est chargé, mais j'ai résolu de ne pas manquer à aucun culte. Mon programme est chargé, j'ai résolu de ne pas manquer à aucun. Oh oui, je suis dans. Quand il s'agit d'aller dans la maison de. Oh, je suis dans la joie quand il s'agit d'aller dans la maison de l'Éternel. Le voile est déchiré, je l'ai rencontré, le Dieu merveilleux. Alléluia, le voile est déchiré, j'ai rencontré ce Dieu merveilleux. Alléluia, moi je suis la joie quand il s'agit d'aller dans la maison de l'Éternel. Oh, je suis dans la, quand il s'agit d'aller dans la maison de l'Éternel. J'avais entendu parler des témoignages du pasteur Wafou, je n'y croyais pas. Mais aujourd'hui, je vois sa puissance agir au travers de ma vie. Oh, oh là là, je suis dans la joie quand il s'agit d'aller dans la maison. Non, 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 je suis dans la joie quand il s'agit d'aller dans la maison. Et moi, je te dis, ce ne sera plus jamais comme avec tes pères avant. Non, 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 non. Il y a église. Il y a église, ça je te le promets. Alléluia. Que Dieu bénisse ta vie. Que Dieu arrose ta vie. Que la main de Dieu soit sur toi. Que sa grâce t'accompagne. Que sa puissance te garde. Alléluia. Yeah.